Très vite, les rumeurs s'emballent et la thèse d'un assassinat est même évoquée, mais ce ne sont que des mensonges pour le gendarme Winker. Ce qui me révolte un peu, c'est tout ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit, des mensonges sur le fait que le chauffeur du camion, il a dit qu'il arrivait vite, qu'il manœuvrait, ce qui n'est pas du tout le cas. Qu'il avait je sais pas combien de mètres pour voir le poids lourd, alors qu'il avait 70 mètres exactement, ça a été mesuré sur le croquis, il avait 70 mètres pour voir le camion. Et comme il s'est retourné, il l'a vu au dernier moment, et c'est un banal accident de la circulation, qu'on arrête de dire que c'est un meurtre, que c'est l'alcool, la vitesse, la drogue. Non, j'aime la vérité, je veux dire la vérité. Je suis au Pio. Ah d'accord. Et il venait souvent au Pio. Il était souvent au Pio parce qu'il habitait là. Oui, c'est vrai. Et donc on le voyait beaucoup, et quand il passait de la moto, c'était un garçon vraiment extraordinaire. Par rapport à son accident, vous pensez qu'il y a des doutes quand même là-dessus ou pas? Aucun. Aucun doute. Aucun doute. Accident, c'est tout. Aucun doute. Écoutez, quand vous regardez sur Internet, vous me verrez. Je suis justement la personne qui a récupéré sa moto, qui a relevé sa moto après l'accident. Et avec la gendarmerie, on a pu déterminer que le véhicule était en seconde vitesse. Donc, c'était un chopper, seconde vitesse. Tu fais quoi? Tu fais 30, 40, 50 km/h. Il n'allait pas très vite. Non, non, non. C'était impossible parce que le camion là où il était, c'était une route. Elle était très très petite, juste après un virage, très 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 étroite, et il fallait que le camion rentre dans un tout petit chemin pour venir livrer. Et donc c'était vraiment alignement, regarde derrière s'il n'y avait personne, et quand il a commencé à... Il l'a pas vu, le camion, il l'a pas vu. Il était déjà bien engagé, je pense. Enfin, je pense. Il était, allez, aux trois quarts de la route déjà, comme c'est une route, trois quarts de la route. Et Coluche, il a dû faire un freinage d'urgence, roue arrière. Il a sûrement mal tapé. Il a tapé dans le sens. Voilà, il a mal tapé parce qu'il a tapé d'abord. La moto a d'abord tapé. On est mal. Le côté gauche, il est tombé et il s'est relevé. Il a tapé de l'autre côté. Donc il a pris les deux côtés. Il a fait gauche-droite. Ouais. Mais il n'avait pas le casque sur lui. Non, il avait le casque sur lui, sur son bras. Ah bon, à son bras, mais pas sur sa tête. Voilà. Parce que voilà, je vous explique. Rappelez-vous les vieux camions dans le temps, parce que je parle il y a 25 ans maintenant, ils avaient le pare-choc, le gros pare-choc, avec des phares c'est vrai. Qui étaient dedans blancs. Oui. Oui. Et il a tapé juste avec la tête. Allez, on voyait encore dans le phare, on voyait encore les cheveux, du sang, mais juste sur le rebord. Allez, 15 cm de plus, il serait passé à côté. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment, je veux dire, ça ne peut pas être autrement qu'un accident. D'accord. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont couru là-dessus, sur le fait que... Non, parce que moi j'habitais juste derrière. Qu'il aurait été drogué, qu'il aurait été... Ah ça, drogué, ça je ne peux pas vous le dire. Ça c'est des prélèvements toxicologiques qui peuvent le dire. Mais il n'a pas fait sciemment. Il n'a pas fait sciemment non plus, il ne s'est pas jeté sur le camion sciemment, c'est certain ça. Qui s'est jeté que consciemment? Non, absolument pas. Absolument. Non, il a fait le plein pour aller faire une balade avec ses copains, ils étaient plusieurs. Ah non. Non, que les gens se rassurent, c'est... Moi j'étais sur place. S'il y avait le moindre doute, je me serais dit, il y a quelque chose qui va pas. Ça c'est sur le certain temps. Maintenant, on peut toujours extrapoler, on peut toujours faire un petit peu. Oui, bien sûr. Non. Ouais. C'est vrai, Coluche est mort. Il s'est tué dans un accident de moto près de Grasse. Et vous voulez peut-être quand même laisser quelque chose? On se souvienne de votre passage. Non, je crois pas qu'on se souviendra, non. Oh, non. Non, tous ceux qui se souviendront, c'est les mecs qui m'ont vu puis qui m'aimaient. Mais une fois qu'ils seront morts, ça sera fini. Hein. Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012. Attendez que la gauche pense à Ewer. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on... Au goulag! Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Et puis on fait des stages à la gendarmerie avec le chien. On fait des stages. En même temps, on apprend les langues.
On apprend l'allemand pour le chien, puis l'arabe pour les mecs. Vous savez que quand les grands personnages meurent, l'accident de voiture, c'est la moindre des choses. Le suicide, c'est le dernier, et l'assassinat, c'est le dernier.